Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content d'être là. Un petit peu en retard, mais bon, vous me connaissez. Je suis jamais complètement à l'heure. Tout d'abord, bienvenue au Challenge WW. C'est parti pour un mois de live sur lechallengew.fr pour rester plus motivé dès la rentrée. Vous pouvez retrouver tout l'agenda des lives de cuisine, de sport, de danse, coaching, même yoga sur le site du Challenge. Donc, n'oubliez pas, allez vérifier tout ça, il y a plein d'activités absolument géniales. Moi, honnêtement, je suis ravi d'ouvrir le bal aujourd'hui avec un live de folie. On va vraiment s'amuser. Ça va être l'occasion de bouger un petit peu plus, de rester en pleine forme depuis le début de l'année. Les copains, ça fait ultra longtemps que je n'ai pas fait de cours de danse. Donc là, c'est un peu... C'est vraiment une nouvelle année, nouvelle chose. Parce que ce cours de danse, il est tout nouveau, il est tout neuf. Et j'espère que vous allez vraiment kiffer. Je suis ultra content que WW m'ait permis d'ouvrir le live à tout le monde. Ça, c'est absolument génial. Donc, pour ceux qui ont déjà dansé avec moi, on va encore s'amuser. Pour ceux qui n'ont jamais pris un cours de danse avec moi, il y en a beaucoup. Vous inquiétez pas, on va aller tout doucement. On va y aller vraiment tranquille. Donc voilà, on va kiffer. Il y a un petit truc en plus que je voulais vous dire. Si vous êtes en plus membre de WW, on peut en fait... Il y a un tout nouveau truc. En fait, c'est... ils ont fait une nouvelle activité en fait avec le Secours Populaire Français pour venir en aide aux familles défavorisées. Et il faut simplement qu'on essaye tous ensemble d'atteindre le record de 10 milliards de pas en janvier. Il suffit de traquer tous vos pas, toute votre activité sur l'application WW. Donc pour tous les membres, faites-le, c'est pour une bonne cause et ça fait du bien de faire du bien aux autres. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous pour faire une super action. On va tout de suite commencer. Alors, je vais m'installer vite fait, si ça vous dérange pas. Je prépare un petit peu ma musique. Blablabla, voilà. J'espère que vous êtes tous prêts et en forme. N'hésitez pas. Alors, je sais que j'ai pas directement accès à vos questions et tout ça, mais n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, allez-y sur Twitter ou un truc comme ça. Mettez le challenge WW. En hashtag et on essaiera de trouver les questions et voilà, on les balancera d'une façon ou d'une autre. J'espère que vous êtes prêts, parce que là, je viens de me faire 3 minutes ultra rapide. Bon, l'idée, elle est toute simple. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la salsa et un petit peu plus tard, on va même faire encore une autre danse. L'idée, honnêtement, c'est pas de devenir Pietragala en 2 secondes. En un cours, c'est simplement de se remettre un petit peu à bouger, de s'amuser un petit peu et de pas se prendre trop au sérieux. Je pense que ça va être la bonne résolution de l'année, c'est de faire les choses un petit peu pour le kiff, de s'amuser, de bouger et petit à petit, on va se sentir bien. Donc, on va commencer par un tout petit échauffement. J'espère que vous êtes prêts. C'est tout facile, vous inquiétez pas, vous me suivez et tout va bien. Attention, on va commencer par les pieds, on va remonter sur tout le corps et ça nous permettra de nous chauffer un petit peu. Musique, on va être tranquille, un petit truc tout doux. J'espère que vous entendez bien la musique. Et les copains qui sont sur WhatsApp, si vous entendez bien la musique, faites-moi un petit message que je sache si tout se passe bien. Ok, c'est parti. Attention. Les pieds, on va juste un petit peu fléchir la plante des pieds, ok? Tout tranquille, plante des pieds, on appuie, on flex, tranquille, on fait pas trop de force, hein. C'est tout gentil, tout relax. Presse, on accélère, presse. Presse, le pied. Attention, juste la petite cheville et la plante de pied, voilà. On tourne tout doucement dans un sens, tout doucement. On change de direction.
Arrête l'autre pied. Et je vous ai dit, hein, c'est facile. On est tranquille. On tourne dans l'autre sens, c'est parti. Ok, allez. Tranquille. On ferme les pieds. On va s'occuper des genoux un petit peu. Regardez, on va juste fléchir. Ok. C'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. Tranquille, on fléchit. Et maintenant, on va tourner un petit peu les genoux. Juste les genoux si on peut. C'est parti. Les genoux encore un peu plus. Yeah. Ok. Tranquille. Les hanches. Côté. 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 Et on pousse un peu de côté, voilà. Allez, on va aller en avant, en arrière. En avant, en arrière. Vraiment, en avant, en arrière. En avant, en arrière. C'est bien. Et on tourne. Allez. On tourne un petit peu. C'est nickel. Très bien. Dans l'autre sens. Ok. Les épaules. J'ai pas dansé depuis tellement longtemps. Je suis mouillé. Vers l'avant, c'est parti. Allez, y va. On ambiance tout seul. Ok, très bien. Les bras. On les tourne. Allez, c'est parti, on tourne les bras. Canon, on tourne dans l'autre sens. Super. Allez, on s'étire un petit peu. Vers le haut. Allez, vers le haut. Et je la remets celle-là parce qu'elle est bien. Elle nous fait plaisir pour nous chauffer un peu. Ça va aller beaucoup plus vite après. On respire. On relâche. Très bien. Ok, bon. Est-ce que vous êtes bon? Bah, je vous parle, mais il n'y a personne qui peut me répondre. Ok, respirez un petit peu. J'espère que vous avez une petite bouteille d'eau avec vous. Ultra important. Buvez pendant le cours. On s'en fout, même si vous devez arrêter 2 secondes. Allez-y. Et vous allez voir, moi je suis vraiment... Je suis pas en forme complète, donc vous allez voir que je vais m'arrêter assez souvent quand même. Ok, let's go. On va juste sauter un petit peu sur place et amusez-vous, on s'en fout. Je vais mettre un peu de musique plus rapide. Attention. Ok, jouez un petit peu de BTS, ça va être sympa. Vous avez entendu ce titre toute l'année, mais au moins c'était un truc bien en 2020. Ok, on saute sur place. Côté. Viens, on joue de nouveau. Un peu plus vite cette fois-ci. On change de direction. Les épaules. Ah, je suis déjà fatigué. Ok. Les bras, des petits ronds. Et on change de direction. Ah, c'est bien. Bravo. Si vous êtes chez vous, bah... Bravo, vous êtes au top. Je suis déjà crevé, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de, pour commencer, la salsa. La salsa, c'est une danse que j'adore, c'est une danse dans laquelle j'ai gagné les championnats du monde, il y a très longtemps maintenant. Mais c'est une danse géniale, et vous allez voir pourquoi. C'est parce qu'en fait, on peut apprendre très vite pas mal de pas qui nous permettent de...
de tout simplement pouvoir bouger, se sentir bien, s'éclater un petit peu. Et honnêtement, c'est tout ce qu'on cherche. Donc, facile. On peut apprendre à danser quand même assez vite. Et surtout, et ça c'est la particularité aujourd'hui, on peut danser sur n'importe quoi. Et ça, je trouve que c'est génial. Donc, pour vous montrer, aujourd'hui, en fait, je vais pas du tout utiliser de musique salsa, même si j'adore la musique latine, ok? Aujourd'hui, je vais utiliser de la musique pop, de partout. On va voir du Doja Cat, on va voir du Lizzo, on va voir du BTS, on va voir du Justin Timberlake. Franchement, et si vous l'écoutez à la radio, vous pouvez danser dessus. Donc, c'est ce que j'adore, ok? On va commencer par les pas les plus simples, les pas de base, ok? Donc, on va aller de côté. Moi, je vais aller vers la gauche. Faites de même. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Ok. Alors, quand je dis partir vers la gauche, la salsa, en fait, c'est toujours trois pas sur quatre temps. Et donc, il y a toujours deux pas qui sont rapides, un pas qui est un petit peu plus lent que les autres. Donc, ça nous donne vite, vite, lent. Vite, vite, lent. Vite, vite, lent. Et vite, vite, lent. Et donc, si on veut être un peu plus stylé, on compte en américain. Allez, quick, quick, slow. Quick, quick, slow. And quick, quick, slow. And quick, quick, slow. Attention, ce qui est important, en fait, c'est de toujours lever bien le pied à chaque fois que vous dansez et que vous prenez un pas. Si vous voulez pas vous emmêler les pédales, justement, on lève, on lève, on lève. On lève, on lève et on repose. Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3. On est bon? Vous kiffez? Ça va? Cool. Donc ça, c'est le premier pas. C'est le pas de côté. Tout simple, on est tranquille. Ok? On enchaîne tout de suite sur le même type de pas, mais en fait deux fois en arrière. Donc tout ce qu'on fait, c'est on commence avec la jambe gauche, on commence avec la jambe gauche, et on va en arrière. Et ça nous donne 1, 2, 3. Et la même chose avec la jambe droite. 1, 2, 3. Et 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 on enchaîne. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Allez-y, enchaînez un petit peu pendant que moi je respire. Ouh. Oh là là, c'est dur. Alors, je vais peut-être vous faire un petit truc pour vous aider, en fait, à apprendre. Voilà. Nickel. C'est, ne vous inquiétez pas du tout des hanches pour le moment. Et ne vous inquiétez pas du tout d'avoir l'air stylé. On s'en fout. Le principal, c'est d'aller dans la bonne direction. Donc, paf, d'un côté, paf, de l'autre. D'un côté, de l'autre. Et en fait, quand vous dansez, même si tout à l'heure, là, je vais appeler les pas dans l'ordre d'abord pour être cool, mais même si vous allez dans la mauvaise direction, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est de continuer à bouger et c'est de nous amuser et juste de nous faire un petit peu de bien. Après l'année 2020 qu'on vient tous de se taper, je pense qu'on a le droit de se faire un petit peu plaisir. Et si ça passe par la salsa, eh ben c'est tant mieux. Donc, on a fait le pas de côté, on a fait le pas en arrière. J'ai l'impression d'être une stewardess. Un test de l'air. Donc, maintenant on va faire le mambo. Le mambo, c'est un pas que vous connaissez parce que... enfin, vous le connaissez, je sais pas, mais bon, un de mes films préférés à l'époque, c'était Dirty Dancing. Et le mambo, bah, c'est Dirty Dancing. Le mambo, c'est un pas, mais en même temps, c'est une danse. C'est un type de salsa qui se danse principalement, on va dire, à New York. Et le reste de la salsa, en fait, ça regroupe plein de choses. La salsa, c'est principalement la musique d'origine cubaine, en général. Mais ensuite, on l'élargit également à la musique, on va dire, d'origine sud-américaine et latine. Donc ça, c'est la salsa. Ça représente beaucoup de trucs. Et ensuite, à l'intérieur de la salsa, on a plein de danses différentes, dont une qu'on appelle, nous, effectivement, en général, juste la salsa. Mais il y a aussi le mambo. Et le mambo, c'est de la salsa dansée sur un pas différent, sur un temps différent. Le mambo, en fait, il est dansé sur le deuxième temps de la musique. Ça veut dire qu'à la place de faire 1, 2, 3, 5, 6, 7, en fait, en mambo, on fait rien sur le 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4. Donc en fait, si j'arrête de compter, vous avez l'impression que c'est la même chose. La seule différence, c'est le timing. Mais vous savez quoi? Pour apprendre au début, en tant que débutant, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Donc, le mambo, on va aller en avant sur le pied gauche, puis en arrière sur le pied droit. Rappelez-vous, quand Patrick Swayze était en train de danser avec Baby et sa partenaire, ils le dansaient à trois, et c'était comme ça, ils faisaient ce pas. Bon ben voilà, on est en train de faire le mambo de Dirty Dancing, ok? 5, 6, 7, 8, en avant avec la gauche, en arrière avec le pied droit, en avant avec le gauche, en arrière avec le pied droit. Et 1, 2, 3, et 5, 6, 7, et vite, vite, lent, et vite, vite, lent. And quick, quick, slow, and quick, quick, slow, and quick, quick, slow, and quick, quick, slow. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cool, nickel, pas mal. J'espère que ça se passe bien chez vous, franchement. Moi, là, je suis en kiff, en fait, tout seul, là, tranquille. Ce qui serait vraiment bien, c'est que vous buviez un petit verre d'eau et qu'on se fasse ça en musique. Vous en pensez quoi? J'entendais oui, Chris! Virtuel, bien sûr. Bon, c'est parti. Attention, tout le monde. Ok, ok, ok. On va faire ça en musique, donc rappelez-vous, on a les pas de côté, on a le pas en avant, en arrière, on a le pas également double en arrière. Donc dans l'ordre, ça nous fait côté, ensuite en arrière, ensuite le mambo. Prenez votre temps, soyez tranquille, de toute façon, on ne peut pas faire de mauvais pas, tout marche. Mais on va faire ça tranquille, sur du liso, good as hell, et je vais partager cette playlist également sur Spotify, pour que vous ayez tous la musique dès demain, pour répéter quand vous voulez, ok? C'est parti. Ok, on est parti. Attention. Rentrez dans le groove. On a le temps. 5, 6, 2, côté. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. En avant. Attention, en arrière. On a le temps, tranquille. Attention, mambo, en avant. Chanson, elle dit, elle se sent mieux que jamais. Eh ben, c'est pas encore pour aujourd'hui pour moi. Alors, j'espère que ça se passe bien pour vous. Et déjà, je voulais vous dire un grand, grand, grand merci
Mais merci de ouf d'être sur le live. Ça me fait trop, trop, trop plaisir que vous soyez là. Alors, je vais juste essayer de préparer le petit truc suivant. Vous savez quoi? Je vais vous donner 2 minutes. Je vais mettre de la musique. Allez chercher de l'eau. Buvez un petit verre. Et on se retrouve dans... Allez, 30 secondes. Attention. Ok, est-ce que vous êtes de retour? Vous avez pris votre petit verre d'eau? Super. Bon, bah écoutez, j'ai déjà un petit message d'Angéline qui nous dit qu'elle trouve que c'est super good vibes. Et que ça donne la pêche. Eh ben tant mieux, c'est l'idée, c'est bien. On va tout de suite enchaîner avec la deuxième partie de la salsa. Vous avez vu, hein, ça va vite. Donc là, vous avez déjà appris les 3 premiers pas. De côté, en arrière. Cool. Ensuite, en avant et en arrière, le mambo. Très bien. Enfin, je me dis très bien, ouais, en fait. Le mec, il est fou déjà. Ok, maintenant je vais vous apprendre un petit pas qui va vous permettre de simplement tourner sur place, tranquille, facile. Vous allez voir, c'est voilà. Au fait, je ne vous ai pas dit, faites attention, poussez les meubles, soyez certain d'avoir de la place autour de vous. Voilà, soyez à l'aise. Bon, de toute façon, vous êtes à la maison, donc vous devrez être super à l'aise. Mais bon, poussez tout ce qu'il y a à pousser, soyez certain d'avoir de l'espace autour de vous. Surtout pour ce qui vient après, parce qu'après ça va être sympa. Alors, je vous apprends à tourner. Mettez-vous sur la jambe droite ou la gauche, comme vous voulez. Honnêtement, il n'y a pas de règle. On est facile. Vous allez tout simplement, avec la jambe qui n'est pas la jambe d'appui c'est celle sur laquelle on se tient. La jambe qui n'est pas la jambe d'appui, elle va vous permettre de pousser et de tourner tout autour. En 8 pas. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Facile, on refait. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais? Nickel. Alors attends, je reçois d'autres messages encore, c'est marrant, j'aime bien. Alors, tac, tac, tac. Clémence qui nous dit qu'elle adore le petit enchaînement, ça fait du bien de bouger et ça la met de bonne humeur. On a également un message de Sandrine, qui pourrait être Sandrine Quétier, la connaissant. J'ai 2 pieds gauches, aidez-moi. 2 pieds gauches, bah, ça danse quand même, c'est pas un problème. Donc, on se redresse au petit tour, mettez-vous sur la jambe, celle que vous voulez, et tournez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que vous arrivez au 8, en fait, sautez sur l'autre jambe, sautez, on se calme. Déplacement du poids du corps sur l'autre jambe. Et on fait ça dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon pour vous, on refait. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Bon pour vous? Nickel. Ensuite, ce que nous allons faire. Papapapapam. Ensuite, ce qu'on va faire. C'est que, je vais pas vous mentir, j'ai oublié le pas suivant. On a fait le pas de côté, on a fait le pas en arrière, on a fait le mambo, on a fait également le tour d'un côté et de l'autre. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Bah pour le moment, je crois que c'est suffisant. Donc on va se faire tout ça en musique. Ça marche? Let's go. Alors, maintenant, un autre titre qui a cartonné cette année. C'est parti. Doja Cat. Ne vous inquiétez pas, le son va monter dans 2 secondes. C'est son intro. On va commencer par le tout tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on change. 1, 2, 3, 4, 6. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Important en fait, c'est que le pas tel quel, oui bon ça marche, mais c'est pas non plus dingue, et c'est quand même de la salsa, donc la salsa il y a quand même un petit peu des hanches à un moment donné, et voilà comment ça marche, tout simplement. Vous vous rappelez l'exercice qu'on a fait au début, avec les hanches qui tournaient comme ça,
Je ne sais pas si vous en souvenez, voilà, c'était notre échauffement dans un sens et dans l'autre. Et bien là, vous utilisez la même chose. Ça va vous permettre de faire, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, je sais, ça fait mal partout. C'est normal, moi aussi ça fait mal aujourd'hui. C'est parti, dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est quand même un tout petit peu plus sympa que simplement le pas qui tourne. Donc, on va reprendre en musique. En musique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le pas de côté. Après le pas de côté, on va faire le pas en arrière. Après le pas en arrière, on va faire le mambo. Et après le mambo, on va faire le tour d'un côté, puis de l'autre. Bon pour vous ? Nickel ! Introduction. 5, 6, 7, hop ! Donc comme vous le voyez, franchement, je suis essoufflé, donc ne vous inquiétez pas si vous êtes essoufflé,
si ça transpire, c'est super. Pas besoin d'aller au-delà de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est vraiment, on n'est qu'au début de 2021. Donc, allez-y tranquille. C'est une entrée en douceur, en mode cool. Donc, on va apprendre les pas. Alors, sinon, je vous refais ça. Vous oubliez ce qui vient de se passer. C'était une absence mentale. Les pas que vous avez appris depuis le début. De côté. De côté. De côté. Super. Vous avez aussi appris en arrière. En arrière. En arrière. En arrière. En arrière. Vous avez appris le mambo. Mambo. En arrière. En avant. En arrière. Vous avez aussi appris le double en avant. 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 Qui, en plus de ça, peut servir de Mia? Double en avant. On se tourne juste un petit peu plus. Voilà, il tire à son Mia. Voilà. Faut que le talon il passe un peu comme ça. Tac. Voilà. Et ça sert également de pas de base de double en avant au hip-hop. Donc, le double en avant, c'est ça. Donc, le double pas en avant, il sert beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Il faut qu'on apprenne également le time step. Le time step, c'est juste en fait le rythme de la salsa sur place. Mais c'est un pas qui est ultra utile parce qu'en fait, une fois qu'on sait faire le rythme sur place, on peut même se déplacer dans plein de directions pour trouver un meilleur spot pour danser quand on est en train de danser. Donc, je vous montre, c'est tout bête, ça marche comme ça, regardez. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vite, vite, lent. Vite, vite, lent. Et vite, vite, lent. Et vite, vite, lent. Voilà, c'est tout. C'est sur place, tranquille, ok? Bon, j'espère que ça va pour vous. Je vais voir si il se passe quelque chose du côté des commentaires. Ta 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 la. Oh là 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 là! Eh les copains, je sais pas vous, mais je pense qu'en fait, c'était censé être un espèce de workout remise en forme pour tout le monde. En fait, il n'y a que moi là qui a l'air de vraiment souffrir. Mon Dieu! Enfin! Bon, petit verre d'eau. On enchaîne ensuite sur tout ça, plus le time step, plus les petits sauts sur place qui vont nous aider ensuite. Je vous expliquerai tout ça sur un peu de musique. Donc, de nouveau, 30 secondes, 30 secondes. Buvez un verre d'eau, séchez-vous et on est reparti. Ok les copains, ouais moi quand je dis 30 secondes, c'est 30 secondes, hein. c'est pas 40, c'est 30, on est là. On va tout de suite partir sur la musique, on va faire tous les pas depuis le début, de côté, en arrière, en avant, le mambo, sur place, tourner, et après sauter quand je vous le dirai. Ça marche? Bah j'espère que vous êtes bien, en tout cas, moi je kiffe bien cette journée les copains. On va commencer de côté comme d'hab. Toujours prendre le temps de rentrer dans le groupe du titre. Attention. On change.
1, 2, 3, marche, marche, marche. On saute. Mambo. Avant, arrière. On tourne. Ne vous arrêtez pas. Alors un petit message de Camille qui nous dit on transpire mais on adore. C'est top, c'est l'idée. Message de Sandrine qui nous dit je suis réconcilié avec le sport. J'espère qu'il y en a d'autres, des lives. Mais bien sûr, il va en avoir toute la vie des lives. Magali qui me dit... Alors, Gali qui me dit, elle n'arrive pas à suivre les pas. Si tu n'arrives pas à suivre les pas, la seule chose que tu as à faire, c'est saute sur place. Rien de ça. Et quand tu seras prêt, tu pourras juste mettre en fait un pas de côté de temps en temps. 5, 6, 7, regarde. Passe. Ok, c'est tout simple. Ok, alors je vais pas vous mentir, c'est chaud, j'ai très très chaud, j'espère que vous aussi. Donc, je vais vous dire un petit truc, je vais prendre quand même 2 minutes pour respirer. Je suis ultra content en fait d'avoir rejoint l'équipe de WW, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ça fait à peu près 14-15 ans que je fais plus du tout de compétition de danse et que je ne danse quasiment plus en fait. Et donc petit à petit, ma forme physique en fait s'est un peu dégradée. Mais c'est vrai qu'en faisant danse avec les stars, bah pour moi ça a été génial parce que bon bah j'adore l'émission, j'adore le faire. Mais c'est vrai que je parle derrière mon desk et je bouge pas trop. Quand je danse pendant 30 secondes, c'est un animal qui est lâché. Donc mais il était temps maintenant que je me remette en forme, et c'est 2020 qui m'a fait prendre conscience que c'est maintenant qu'il faut y aller. Il n'y a pas besoin d'attendre, il n'y a pas besoin de se poser trop de questions, et on peut tous y arriver. Il faut juste en fait qu'on s'entraide un petit peu tous. Et vous savez quoi, je suis ambassadeur de Weight Watchers, de WW, mais je suis également un membre, et donc n'hésitez pas, si sur Insta vous avez envie de m'envoyer un petit message, si vous avez besoin d'un petit coup de peps de temps en temps, je suis là, avec grand plaisir, et je vous répondrai. Ça, c'est promis. Bon, peut-être pas immédiatement, parce que je reçois quelques messages quand même, mais je vous promets de vous répondre. Et ça, promis. Ok. Maintenant, on a fait la salsa. Je crois qu'on a fait à peu près, 30 minutes... 40 minutes, 30 minutes de salsa. Je vous propose de faire une toute nouvelle danse en fait. Sur Danse avec les stars, il y a quelque chose que je kiffe, c'est le nombre de danses différentes que nos célébrités ont à apprendre. Et dans ces danses, en fait, il y en a pour tout le monde. Vous pouvez tous trouver une danse que vous allez absolument mais kiffer. Et moi, c'est vrai que je les adore toutes. Mais j'adore les danses d'énergie. Et il y a une danse, le jive, que je kiffe. Je l'adore.
Tout simplement parce qu'en fait, il y a une seule vitesse, c'est 150 à l'heure. J'adore ça. Donc, aujourd'hui, je vous propose d'apprendre les pas de base du Jive. Alors, je vous promets, c'est pas si difficile que ça. La seule chose, c'est que je vous demande, c'est de vous accrocher. Les pas sont un tout petit peu plus compliqués que la salsa, mais au final, pas tant que ça. Donc, voilà. On va les apprendre ensemble. Vous allez voir, vous allez kiffer. Entre temps, il paraît que j'ai reçu 2-3 petits messages de vous, là. Donc, je vais vous en lire quelques-uns. On a un petit message de Julie qui nous dit qu'elle a un point de côté. Là, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Continue comme ça, Julie. Message de Marie. Elle m'a connu plus en forme, Marie. Oui, c'est vrai. Je l'admets. Voilà, regarde, je transpire. Mais bon, c'est comme ça. Émilie, elle adore. Ça lui fait du bien. Et on a un petit message de Cheesy qui nous dit qu'elle aussi, elle a chaud. Eh ben tant mieux, c'est nickel, c'est l'idée. Maintenant, on enchaîne tout de suite sur le Jive et vous allez voir, si vous avez chaud en salsa, vous allez avoir chaud en Jive. Bon, ça marche comme ça. Tout ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire un pas en arrière, reposer votre pied devant. Donc ça fait, et 1, 2, et on répète. Et 1, 2. Regardez, je le fais de côté. Et 1, 2. Ah, c'est mon profil, c'est pas mon angle préféré. Hein. Non, on va pas se mentir. De devant, c'est pas beaucoup mieux, mais ça fait rien. D'ici la fin de l'année, ça va être canon tout ça. Donc, en arrière et on replace. En arrière et on replace. En arrière et on replace. Ensuite, on va enchaîner avec ce qu'on appelle un petit chassé. Et un chassé, ça nous fait juste ça. Ça nous fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on fait 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faites des tout petits pas. Je vous le dis, c'est le truc à faire, des tout petits pas. Si vous réussissez ça, vous êtes bon. Ok, des petits pas. Donc ça nous donne en arrière, on remplace. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Arrière, replace. 1, 2, 3. 1, 2, 3, arrière, replace. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Alors, en termes de compte, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Voilà. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Ok? Super facile. 5, 6, 7, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, et 1, 2, 3 et 4, et 5 et 6, et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, et 1. Nickel. Ok, bah j'espère que vous suivez. Et honnêtement, vraiment, je vous le dis dans les yeux là, regardez-moi dans les yeux. Ne vous inquiétez pas si vous ne chopez pas les pas tout de suite, c'est complètement normal. Revenez à ma solution initiale de la salsa. Si vous êtes paumé, sautez sur place, c'est bon, ça marche, c'est nickel. Ok, donc on a fait le pas de base. Je viens quand même de me rendre compte d'un truc, c'est que je pense que j'ai choisi des chansons qui sont peut-être un peu trop rapides, donc je suis vraiment désolé. Il va falloir juste faire avec. Mais bon, ça devrait aller. On va essayer juste le pas de base en musique, ok? Alors. Donc là, on est sur Let's Love de David Guetta et Sia. J'adore ce titre, mais il déboîte un peu quand même. Beaucoup trop rapide. Normalement, je le ferai pas, mais vu qu'on a besoin d'un titre lent, l'ISO, ça marche aussi. Regardez. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Let's go!
Répétez, on s'arrête pas. Ok, très bien. Ok. Donc, le jive, comme vous le voyez, il y a quand même un petit peu plus de complexité dans les pas, mais je vous assure que ça vaut le coup de l'apprendre, parce que c'est vraiment canon. Alors, le deuxième pas, honnêtement, le deuxième pas, moi, je l'adore. C'est juste des kicks. Des kicks, c'est des coups de pied, voilà. C'est juste ça, regardez. C'est 1, 2, 3, 4. Donc, si je le fais de côté, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Je vais peut-être le compter différemment pour que vous puissiez suivre. Ça va vous faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc en fait, vous faites un kick. Donc il faut lever la jambe, comme ça. Vous faites un kick sur le temps et vous la reposez. Donc ça fait pa, 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 ok. Et 1, et 2, et 1, et 2, ok. Ça nous fait 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est nickel chrome. Donc, entre le pas d'avant, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, tout de suite derrière, on peut partir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Donc voilà, ça c'est le petit truc tranquille qu'on va faire entre nous, vous allez voir, mais honnêtement, je vais vous montrer juste ce que ça donne en vitesse, comme ça vous savez à quoi ce qu'on cherche à faire en fait. Et je vais me faire un petit kiff. Mais ça va aller. Ok. Donc, vous et moi, on va faire ça sur l'iso, tranquille, zéro stress, doucement. De toute façon, même si on voulait le faire rapidement, je pourrais pas le faire. C'est parti. Oh là là. Allez, doucement sur l'iso. I do my hair toss, check my legs. Baby, how you feel? Pretty good, hey. Hair toss, check my legs. Baby, how you feel? Tranquille. One, two. I'm tired of the bullshit. Gone, that's your shirt box. Keep it moving. Yes, Lord. Trying to get some new shit. In this somewhere, going to the bullshit. Cut out the mud, your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try.
Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, les copains. J'ai du mal. Ok, donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la musique à fond, mais à fond. On va danser les quelques pas là qu'on connaît et on va voir si j'ai encore de l'énergie pour vous apprendre encore un pas de plus après. J'espère que vous êtes chaud. Mais n'oubliez pas, hein, envoyez-nous des messages. Vous pouvez mettre juste le hashtag lechallengewww.fr ou lechallengewww, hashtag lechallengewww. Je vous refais ça. Hashtag lechallengewww. Vous pouvez le mettre sur Twitter, vous pouvez poster sur Insta. Vous pouvez faire, mettez-le où vous voulez. On essaiera d'aller trouver les petites questions, les petits commentaires, etc. Et j'essaierai de vous répondre. Là, dans 10 minutes, j'essaierai de vous répondre à quelques questions. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Moi, je suis tellement, tellement heureux de démarrer l'année avec vous. Honnêtement, ça fait déjà quand même un an que on ne remonte plus sur scène. Ça fait un an que on vous voit plus, vous, le public, et on sait que c'est dur. On sait que c'est dur pour vous, et on est complètement de tout cœur avec vous tous. Mais il y a une seule chose dont on est responsable cette année, c'est de changer un petit peu notre énergie, de se concentrer sur un petit peu autre chose et d'essayer d'aller un petit peu de l'avant. Et moi, en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver tous très bientôt sur scène. Je sais que si tout va bien, au mois de juin, on sera en tournée avec mon spectacle. Alors on danse, on sera dans toute la France et j'ai vraiment, vraiment hâte de vous retrouver à ce moment-là. Vous allez me retrouver également sur TF1. Je co-anime une nouvelle émission qui s'appelle Star à nu avec ma copine Alessandra Sublet. Et franchement, l'émission est absolument géniale, donc ne la ratez pas quand elle va être à l'antenne. Et entre-temps, on aura aussi à un moment donné, plus tard dans l'année, le retour de Danse avec les Stars. Et je vous promets que ça va être une saison que vous ne pourrez pas oublier. Le mot est donc une saison inoubliable. Donc je compte sur vous, mais vous nous manquez énormément, vous me manquez énormément, et je suis vraiment content que WW m'ait donné la chance de pouvoir démarrer l'année avec vous sur un truc aussi feel good que je ne fais jamais. Je ne donne jamais de cours de danse, et là franchement, je m'éclate avec vous. Donc merci à vous, merci à WW. Et n'oublie pas, en fait, pour tous ceux qui ne sont pas membres de WW, vous pouvez bien sûr nous rejoindre, vous pouvez vivre un petit peu ces petites aventures avec moi. J'ai un code promo qui sera sur les réseaux dans quelques minutes si je ne me trompe. Donc n'hésitez pas, vous aurez une belle promo sur votre abonnement et on pourra faire ces challenges tous ensemble. Je vais remettre la musique. Honnêtement, là j'ai parlé pendant 5 minutes juste pour pouvoir respirer parce que j'en pouvais plus. Donc, musique. À fond, les deux pas qu'on connaît et on est bien. C'est parti! Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive! Je n'ai plus de musique. Non, pas celle-là. Non. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas jouer celle-là. Bon, on va partir sur Blinding Lights. Non plus, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui fonctionne, c'est parti! Amusez-vous un petit peu à la maison, roulez sur place, bougez, c'est tout ce qu'on veut.
Les copains, j'espère que vous avez passé une bonne séance avec moi. Je vais vérifier si j'ai deux petites questions pour vous. Donc, je suis avec vous dans deux petites secondes. Alors, on a un petit message d'Alice qui nous dit « Elle adore notre tenue, notre sourire et le kiff. Est-ce qu'on va refaire d'autres lives ?» Demandez à WW, mais je crois que oui. Message d'Amélie. Ses enfants de 4 et 6 ans adorent, on se croirait sur scène. C'est génial, je suis trop heureux. Et effectivement, c'est peut-être un super truc à se dire. C'est pour pouvoir faire de l'exercice. Moi j'ai un petit garçon aussi, il a 4 ans, il est absolument génial. Et il a une énergie de dingue. Mais peut-être que le secret pour pouvoir faire un petit peu de danse, bouger, faire un peu de sport, peut-être que c'est de le faire tous ensemble. Donc, n'hésitez pas, ramenez les petits, bougez tous ensemble. Ce n'est que du bon. Tout mouvement est bon à prendre. Alors, message de Praline. Là, tu nous as perdu avec la musique rapide. Ne t'inquiète pas, Praline, je suis perdu aussi. J'en peux plus. Message d'Elena. Elle me trouve sympa, je voulais le dire, ça, j'ai trouvé que c'est sympa, c'est cool. Bon, mes copains, en tout cas, je vous remercie pour ce live. J'espère que vous avez kiffé. Je vérifie juste que j'ai bien fait tout ce que... je vérifie juste que j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire. Donc, merci beaucoup à tous les membres WW, merci beaucoup à tous les autres qui sont venus pour danser un petit peu avec nous tous. N'oubliez pas, vous aussi vous pouvez rejoindre WW, donc je vous mettrai un code promo dans quelques instants sur Insta. N'oubliez pas, demain, un autre live. Alors je dis un autre live génial, je ne sais pas si demain était génial, mais en tout cas je me suis éclaté. Mais demain vous allez avoir un live génial de fitness avec Vita à 18h30. Donc les copains, un gros bisou, continuez, nous on se retrouve dans quelques semaines pour un autre live si j'ai réussi à récupérer d'ici là. Ciao !